La culture confinée, l'un des mots d'ordre de ce défilé, le premier en 2 ans. Le secteur de la culture est l'un des plus touchés par les conséquences de la crise sanitaire. À Montpellier, le rendez-vous a même été donné devant le couvent des Ursulines au lieu de la danse. Pour que les salariés ne paient pas la crise sanitaire, il faut qu'ils se mobilisent et qu'ils exigent la réduction du temps de travail, 10% d'augmentation de salaire, que ce soit pour le privé ou pour le public, et qu'ils se battent aussi pour gagner de l'emploi partout. Les manifestants réclament surtout le retrait de la réforme de l'assurance chômage et de la loi sécurité globale. Ils défendent l'emploi et les services publics. À Toulouse, les enseignants demandent un plan d'urgence. Les services publics ont été étranglés ces dernières années. Là, avec la crise sanitaire, on se rend compte qu'on manque de tout, et notamment de personnel, dans les écoles, dans les hostos, etc. Donc là, maintenant, il est urgent de recruter, de titulariser les précaires et de mettre enfin des gens auprès des lits pour soigner les malades. La CGT, en tête de cortège, comptabilise près de 300 défilés partout en France. Les autorités s'attendent à environ 100 000 manifestants sur l'ensemble du territoire. C'est 60 000 de moins qu'en 2019, d'après les chiffres du ministère de l'Intérieur.